Après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 9 mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de 18 mois, comprenant obligation de soins et de suivi professionnel. Vous savez ce qu'il en est. Soit vous suivez les obligations et vous commettez pas de nouvelles infractions, et dans ce cas-là, au bout de 18 mois, la peine sera non avenue. You got it? This point, I'm going to hear from your lawyers, and that means zip it. But you're not letting me tell that you means what's going on. Zip it right now. You trying to? Does that make sense? No, it doesn't. Because you're trying to take my life. Judge, no. And you're not letting me tell you what's going on. Take your life fair. For what? What do you mean? It's not fair. You're trying to take my life. What does that mean? On the document. I'm going to interrupt, Mr. Williams. Listen. Not listen to me. If we have to, I will gag you in 1 second. Après avoir suivi la formation chez Plaza, il a tout de suite signé des opérations d'acquisition. Par transparence, les montants des commissions touchées par les vendeurs n'ont pu être communiqués. Aujourd'hui, le voilà devenu juriste. Il a droit maintenant de juger les citoyens et de réclamer la peine prison à ceux qui ne rentreront pas dans son cœur. Vous vous faites manipuler par des voyous. Et j'étais à l'Eima. Voici ce jeune homme. Ayami Gaïtan. C'est lui votre responsable, soi-disant. Il va aller en prison. Vous me connaissez, non ?